Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Spec Ops The Line. Et donc, on va reprendre là où on s'était raté. Oh putain, oui, je me rappelle d'où on est. Ok, la dernière fois on avait sauvé le je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Bon, le gars, Gnouz, je sais plus comment. On l'avait sauvé, c'était la grosse merde après. Sachant que c'était le premier gros choix. Voilà, Gould. Si je ne vous connaissais pas, je vous croirais idiot ou suicidaire. Il faut l'être pour attaquer la porte de front. En fait, je pense que votre petit assaut était une diversion pour couvrir votre équipier, l'agent Riggs. Dites-moi où il est. Très bien. Suivant. Du calme. On peut pas foncer tête baissée. Ok, Gould est juste là. Il est en ligne de mire. Si on ouvre le feu maintenant, les civils y passent. Ça veut rien dire pour toi. Allez-y. Non, non, non. Oh merde. Moi, je vais tirer. Tu attends les ordres, sergent. Vous, occupez-vous de ceux qui restent. Oui, chef. Toujours muet comme une tombe, Gould. Peut-être qu'en comprenant l'enfer que vous infligez à ces gens. Préparez-le. Walker, par ici. Faut qu'on sauve les civils. C'est le moment, Walker. On a le champ libre jusqu'à Gould. Et pour les civils, alors? On doit faire quelque chose. Écoute, je sais que c'est moche, mais Gould est vital pour la mission, pas les civils. Notre mission, c'est de sauver des vies. J'aime pas ces choix. On a besoin de Gould. Laissez-moi tirer. On peut pas les laisser mourir, Walker. Tu sais que j'ai raison. Il faut sauver Gould. Allez-y. Aide-moi. Si je m'en souviens, il y en a un qui va être en haut. On a de la compagnie. Adam, c'est avec moi. Le gars. Oh. Wow, wow, wow. Un jour, j'arriverai à tirer. C'est bon. Ah. Voilà qu'on va plus descendre. Nos cibles se déplacent, c'est moi. Rejoignez la porte. Rejoignez. Un soldat lourd. On l'élimine. Oh là là. Remets-le sur pied. C'est bon. On est content de me voir. Yes, moi je ne perds personne, moi les gars. Vous êtes pas autorisé à crever. Je crois que ce sera fini. Il va rester planqué, je pense. C'est un mec là-bas? Stop, il veut mini-line. Oh putain, juste au moment où je charge, j'ai le mec. Ennemi HS! C'est sûr, j'aurai la meilleure angle de tir si je vais avec eux. Il est mort le... Ah, il est RPG là. Putain, je l'ai pas vu. Oh, bah putain, mais attends, on peut destroy les têtes en fait. Je crois que c'était le dernier. Adam, on est bien ici. Par ici, vite. Ah, attendez, attendez, attendez. Il y a ce qu'on appelle des munitions. Et RPG. Et là, on va juste faire un tour sur les cadavres. Récupérer une émission. Walker, venez par ici! Oui, attends, attends. Sûrement des trucs à ramasser là. Ouais, ils sont tous des fusils à pompe à la con. Là. Allez, venez par ici! J'arrive, j'arrive.
Forcez-moi pas. Attendez, j'ai déjà dû choisir entre des civils et ghouls. Mais ghoul, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a la position de l'autre. Et en plus, il nous a sauvé la vie d'une fois. Il fallait qu'on lui sauve la vie. Qu'est-ce qu'il y a? Il a arrêté de respirer. Oh merde. Le sable. Je vous interdis de mourir. Vous avez encore plein de trucs à nous raconter. Merde. Tu peux arrêter. Il est mort. Merde! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une carte. Le plan d'op de Gould, je suppose. Ça doit être la porte dont il parlait. Et alors? Gould a donné sa vie pour ça, Lugo. Ça mérite peut-être plus qu'un « et alors ». Beaucoup trop exposé, Walker. C'est vrai, on bouge de là. Ça fait chier qu'il soit mort là, ça veut dire que j'aurais peut-être pu sauver les civils. Fait chier. Là, j'avais peut-être un choix intéressant à faire. J'ai merdé. Ça va, c'est quoi ça? C'est la porte? Les gars? Merci. Je t'écoute un peu plus, Adam, s'il vous plaît. C'est un vrai merdier. De quoi est-ce que tu parles? Des gens sont morts ici. Pas que des soldats ou des civils, mais Gould aussi. Et ce mec était notre meilleure chance de nous tirer de ce trou à... Du calme, Lugo. On n'aurait rien pu faire de plus. Me dites pas de me calmer. On n'a pas la moindre idée de ce qu'on fout. Ouais, t'as raison. Tout miser sur Gould, c'est vraiment débile. Putain, ras le cul de cette merde. Je t'emmerde. Au moins, moi, je fais mon boulot. Toi, tu restes là, les bras ballants. À attendre que les choses s'arrangent. Tu crois que ça me fait de voir des gens crever, hein? Tu crois que ça me suivra pas toute ma vie, cette merde? Arrêtez! Ah, tous les deux! Arrêtez ça! Mais c'est quoi votre problème, putain? On est au beau milieu d'une zone de guerre, et vous vous bagarrez dans le sable comme deux sales gosses! Vous êtes des agents Delta! Arrêtez vos conneries! Très bien, allez! C'est réglé? Ouais. Lugo! Oui, chef. Bien. Maintenant, on avance. Tension dans l'équipe là. Ça y est, ça les affecte là d'être à Dubaï. Point de contrôle atteint. Alors on est où? D'après la carte de Gould, la porte est droit devant. Aux hommes du 33e, j'ai le regret de vous dire que cette guerre inutile a une fois encore pris la vie de nos frères. Mais haut les cœurs! Car leur sacrifice a permis d'envoyer l'ignoble agent Gould droit en enfer. Alors ne perdez pas espoir. L'agent Riggs. La Delta Force, ce sont les prochains. Ah, on va être bien accueillis, nous. Ça doit être notre porte. Adams, occupe-toi du garde. Je m'en occupe. Alors, Lugo, à quoi on a affaire? Une armée, plus ou moins. Eh merde. Comment on va passer? Ça peut aider. Bien, prépare ça. Bordel, mais c'est une blague. C'est du phosphore blanc. Je sais ce que c'est. Vous savez ce que ça fait, cette merde? On peut pas s'en servir. On a pas vraiment le choix, Lugo. On a toujours le choix. Non. Pas dans ce cas. Oh putain, du phosphore blanc.
truc, il est interdit par la Convention de Genève. Mais bon, à part ça. Tu vises, Walker. On tire. Ah, c'est à moi d'aller là-bas. Ok, prépare-toi à tirer. C'est un ordre ? Ouais, en effet. Ok, j'envoie la caméra. Là-haut ! Sur le balcon ! On a des intrus ! Caméra activée. Ok, ciblage opérationnel. Ouais, quand tu veux. Ah putain, ça se dégoûte. Lance-roquette neutralisée. Si on avait le choix, j'espère que non. Personne ne bouge. C'est fini. Il a raison, Walker. D'accord. C'est fini. On devrait descendre. Faudrait qu'on soit à la porte avant l'arrivée des renforts. Ok. Et bah là, donc, on a fait. On a écouté Adams. Mais Lugo va me détester. Super, j'adore les choix que je fais. Après, je sais pas si là, je sais pas s'il y avait. Non, je pense pas qu'il y avait de choix possible. Ah, on pouvait peut-être descendre direct. Je pense pas. Je pense que là, c'est vraiment pour tromper le truc, l'horreur du truc. Quoi. J'espère qu'on va pas trouver de civils. C'était trop. Ferme-la. Vous avez dit quoi? Il veut dire que la fumée est toxique. Ferme la bouche. Ben voyons. Merde. Bon, on avance. Ok. Ok, venez. Il est déjà mort. Ah, des gars comme ça, je les tue. Ils sont. Je vais utiliser une arme qui est interdite. Je suis dead. Pas de soucis. C'est vous qui l'avez voulu. On voulait aider. Quoi ? Oh non. Ce sont les civils ? D'où est-ce qu'ils viennent ? Il n'y a pas de campement. Ils les ont pris dans leur nid. Cet hôtel dans le mur de sable ? Non, 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 non. Ça peut pas être les civils kidnappés. C'est pas possible. Si ça l'est, c'est pour ça que Gould a attaqué.
Il visait pas la porte. Il essayait de secourir ces gens. C'est de votre faute, bordel de merde. Non, arrête ça. Mais c'est là, il me faut la merde. Faut qu'on continue. Hein ? Les renforts seront là d'une seconde à l'autre. On doit avancer. Mais Walker, tu vas pas... Ces fumiers vont payer pour le mal qu'ils ont fait. Alors vous êtes avec moi ou pas ? Igor, ce jeu par contre, hein. Putain. Et ça te met des putains de choix dans la gueule. Alors là, je pense qu'il montre quand même que le jeu, là, il va être très très méchant sur les choix, hein. Ouais, super. Je sais pas si c'était vraiment possible, ouais, de le faire autrement. S'il y avait vraiment moyen de faire autrement, c'est vraiment la merde. Ah putain, en plus je pensais bien que c'était bizarre, il y avait plein de monde. Les voilà. Ripostez et avancez. Je m'en fous. On a trop cette porte. Tu es à sec. Il y a un peu de monde. Et c'est à contre-front total, on est contre les... Le laisse pas crever, bordel! C'est bon, je vais l'aider! Ah, le fils de pute! Je crois qu'ils ont à peu près le même nombre de points de vie que nous, les gars. C'est vrai, elle est mieux. C'est là qu'en fait on est... mal compris le plan et on est sur les bons gars. Tenez bon! On se bat! Un de moins! Lâchez rien! Il faut à l'intérieur! Les perdez pas! Ils ont nulle part où aller! Achevez-les! Trop de mine là. Attention, il y en a un avec un fusil à pompe. Oh. Tous des fusils à pompe dans cet endroit là. Du coup, j'arrête de tirer à. Ennemi au sol. Putain, mais arrêtez de passer devant moi. Faut descendre. Et t'y enlèves pas. D'autres soldats dans les escaliers. Ah, merde. J'ai besoin d'être par ici. Oh, j'explose les têtes. Transgrenelle, parce que s'il y en a qui sont partis et. Bien, fouillez les environs. Il y a peut-être quelque chose qui nous en dira plus sur la situation. Il n'y en a pas tant de monde. Du matos, des munitions. Un avant-poste standard, je dirais. Non, il y en a sûrement d'autres à l'étage. C'est vrai qu'il y a un peu de. Vérifiez vos chargeurs. On sait pas ce qui nous attend. Ce sera pas pire que ce qu'on a fait dehors. Eh, fais gaffe. Non. Non, il a raison. Ce qui est arrivé là-bas, c'était vraiment mal. Mais on y a été contraint, et je sais par qui. Le mec de la radio. Je suis sûr que c'est lui.
C'est que tout est orchestré, cool, tout ça. Enfoncez la porte. Préparez-vous. Ok. Bon, c'est la grosse merde. C'est quoi ça? Du phosphore. Franchement, je vais plus jamais revoir cette merde de toute ma vie. Regardez. Des plaques. C'est qui? Le commandement de Conrad. Je les connaissais. Écoutez. Pas autant que moi, je vous le garantis. Il sait qu'on est là. Colonel, je suis le capitaine Walker. Capitaine Walker? Oui, je me souviens de vous. À Kaboul, je crois bien. Vous vous en êtes bien tiré, vu les circonstances. Colonel, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe ici? La survie, capitaine. Tout simplement. Tout s'apprête à sombrer dans le chaos le plus total. Mais ça, vous le saviez déjà. Le reste, vous le verrez par vous-même. Bienvenue à Dubaï, messieurs. Bien, sortez, capitaine. Qu'est-ce qui se passe, Walker? On avait tort. Le type de la radio ne dirige pas Dubaï, c'est juste un larbin. Ce qui veut... Ok, j'ai l'impression qu'on prend un gros tournant sur les trucs. Mais bon, on verra ça la prochaine fois. Merci à vous dans la vidéo et on se dit à la prochaine. Bye bye.